Le verre incandescent est posé sur le manchon. L'ouvrier souffle dans la canne et empêche l'air de sortir. Sous l'effet de la chaleur, l'air se dilate et crève le manchon à l'endroit du dépôt de verre incandescent, faisant ainsi disparaître la calotte. Pour enlever le culot du manchon, l'ouvrier entoure celui-ci d'un filet de verre incandescent. Ensuite, le contact d'un outil froid brise net le verre. Les manchons sont ensuite fendus dans le sens de la longueur par un procédé aussi primitif, un bâton de bois rougi et ensuite le contact du pouce humide. Après cette opération, le manchon fendu est placé dans un four où le verre prend sa forme définitive.